de bien connaître les compliqués pour dépasser la porte de l'amitié, révendé, disons même la fenêtre. Nous gagnerons un peu différent, que leur grand ciel pose l'eau brisant et que les soleils mettent sous casquet. De bien connaître les difficiles pour contentoir dans nos tisines, pour fréquenter sa cachette. Nous gagnerons si ça vaut un message, vous hésitez pour mon like de base, de dire moi, mais pas casse la tête. Moi, je commence la poésie quand je suis à quoi, 15 ans à peu près. Je m'écris dans deux langues en fait, hein. Je m'écris en français et en créole. Dans ma poésie, disons, il y a un thème, comme on a tout le même poète, il y a un thème un peu principaux. Il y a beaucoup, par exemple, l'enfance. Mais il y a aussi le fait qu'il m'a aussi, moi, un poète engagé. Beaucoup d'affaires qui m'ont écrit, par exemple, dans mon pays, et puis les affaires qui dérangent moi à travers le monde. Une saveur bonbon citron, cheveux au vent qui fleurent bon. Pour remonter contour du temps, secret de gosse, jardin d'enfant. Une douceur de bonbon gomme sur ta fossette de joli môme. Dans le vrai trouble où tu t'endors, surgit cette ombre frôlant ton corps. Secret de gosse, jardin d'enfant, larmes charbon aux ailes du vent. Impasse d'ombre, silence bâtard. Pourquoi papa, l'éclair souffroir? Pourquoi papa, cet aigle noir? Traduction, moi je commence la traduction de manière vraiment régulière, il y a à peu près 15 ans. Au bout de plus de 40 ans d'écriture de poésie, bizarre renouveler aussi l'écriture. Et traduction, c'est une manière en fait de renouveler l'écriture dans la langue. Par exemple, moi je traduis depuis anglais, français, vers le créole. Hein. Quand tu peux traduire par exemple un texte d'un grand poète, il est capable, Tagore, il est capable, Hugo, il est capable. Donc, toi, tu n'as pas écrit à comment ça vient du monde là, donc quand tu traduis, tu trouves justement une équivalence. Moi, je dis ça comme ça, et bon, pas celle du monde, moi, qui dit ça quand on fait la traduction, il enrichit aussi toute l'écriture dans laquelle tu écris. Je connais qu'ils ont dit, très honnêtement, je pensais que je écrirais un peu plus différemment en créole qu'il y a certaines, il y a, disons, 15-20 ans, que moi, je peux faire traduction vraiment de manière régulière. Ça fait pareil, ça. Ben, on ressentit une grande fierté, en fait, par rapport à un étudiant de French and Creole Studies Year 3 qui vraiment prend en charge sa organisation. Et puis, moi, vraiment, pensé que c'est une première étape bien importante qui nous peut faire, donc à travers sa essence littéraire-là. Je souhaitais qu'il y ait une prochaine génération étudiant pour continuer sa tradition qui nous peut essayer de commencer aujourd'hui-là. Moi, ça café littéraire-là, c'est un grand succès. Aujourd'hui, je viens d'apprendre quelque chose qui m'a particulier. Pour moi, c'est un avantage parce que je suis capable de peaufiner moi-même, je suis capable d'apprendre plus de choses encore. D'ailleurs, je apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, c'est un échange très enrichissant parce que je apprends de choses, l'autre tradition qui pas forcément moi, tu connais. C'était vraiment un échange. Fin augmente mes connaissances générales en traduction, justement. Je me trouvais que ça a l'essence littéraire qui nous fait aujourd'hui. Là. C'est une activité productive qui est pour les futurs élèves et aussi les futurs enseignants qui pensent pour enseigner la littérature. C'est une occasion pour enrichir le patrimoine littéraire. C'est la première fois que je me joins Monsieur Michel. Enfin, je suis très ému pour ce bon travail et je suis très content qu'il me finisse dans un échange littéraire là et qu'il me l'apprenne beaucoup. Et quelque part, j'ai envie de voir Monsieur là qu'il pousse lui pour écrire la poésie.